Bonsoir, oui, donc nous sommes actuellement en direct. Bonsoir, bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. M'entendez-vous? Je vous l'entends très bien. Ok. Donc, vous avez donc écrit un ouvrage avec monsieur Yves Coupry, OVNI enquête sur un secret d'État. Tout à fait. Donc, déjà, une première question, depuis quand vous intéressez-vous à l'ufologie? Je m'intéresse à l'ufologie depuis un moment. Enfin, c'est-à-dire que j'ai un peu baigné dans ce grand mystère, parce que je suis fils d'un colonel, d'un papa militaire, et j'avais entendu parler d'histoires assez étranges, de rencontres dans le ciel, de pilotes qui avaient aperçu des objets incroyables, avec des manœuvrabilités absolument inédites. Donc j'avais entendu parler de ça, et ça m'avait beaucoup interpellé. L'enfant que j'étais, voilà, avait trouvé qu'il y avait une porte sur un ailleurs là qui était absolument incroyable. Et puis surtout, j'avais un papa extrêmement sérieux, donc tout ce que disait mon papa était beaucoup plus précieux et juste que les paroles des contes de fées, quoi, vraiment. Et c'est plus tard, c'est vraiment après en grandissant que je suis tombé un jour par hasard sur un livre qui traitait du sujet et je ne l'ai plus jamais lâché en fait. J'en ai lu plein, beaucoup d'autres. Disons que ça fait des années que je suis très intrigué et assez fasciné par ce phénomène. Avez-vous déjà fait des observations? Moi, j'ai fait une très belle observation, oui. Je ne sais, j'ai vraiment fait l'observation de ce qu'on appelle un ovni, c'est-à-dire un objet volant non identifié. Je ne sais pas ce que c'est. C'était superbe. J'ai vu une boule multicolore qui changeait de couleur traverser le ciel un soir d'août. J'ai pas été le seul à voir cet objet parce qu'on était un grand nombre de personnes à voir ça, mais on n'a jamais su ce que c'était. On a mené notre enquête, on n'a jamais su ce que c'était. Aucune explication vraiment rationnelle n'a été donnée. Donc j'ai vu un objet volant non identifié qui est toujours à ce jour inidentifié. Donc voilà, en tout cas c'était très beau, une chose très très belle. C'était une grosse lueur. Allô? Oui, allô? Est-ce que vous Est-ce que m'entendez? la sphère, enfin la lueur, elle était assez grosse? C'était quelque chose, donc c'était une boule multicolore. Et ce qui était absolument incroyable, c'est qu'elle changeait de couleur, c'est-à-dire qu'elle passait, en fait, elle déclinait toutes les nuances du spectre de l'arc-en-ciel. Donc ça passait de l'indigo au jaune, voilà. C'était absolument incroyable, hein. Il y avait du mauve, il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel passaient. Et c'était très impressionnant, vraiment. C'était vraiment impressionnant. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu et sans doute que je ne me reverrai jamais. En tout cas, c'était très beau. Je n'ai pas pensé à une chose étrange quand je l'ai vu, hein. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de me dire que c'était vraiment une belle chose. À illuminer le ciel d'été, c'était superbe. D'accord. Passons maintenant à votre ouvrage. Pourquoi avoir eu l'idée de d'écrire un ouvrage sur les ovnis? Il y a plusieurs raisons. La première raison est un peu une raison personnelle, parce que, comme je vous le disais, la première personne à m'avoir parlé de ce phénomène-là, c'était mon père. Et puis, quand mon père nous a quittés, il a quitté notre mesure pour en rejoindre une autre, de l'autre côté des fleurs, j'ai eu envie de continuer un petit peu comme ça, de façon unilatérale, le dialogue. Et ça a été une façon de, voilà, de faire comme une longue lettre, en fait, à travers une enquête très sérieuse. Et puis aussi parce que depuis un moment, je n'avais pas vu d'ouvrage de vulgarisation traitant du phénomène. Il y a eu beaucoup de livres écrits, hein, sur les ovnis, il y a eu des livres superbes, mais disponibles
grand public, depuis un moment il n'y en avait plus beaucoup, ou alors chez des petits éditeurs, donc c'était pas toujours facile de s'en procurer. Et voilà, l'idée a germé de faire un livre un peu pour tout le monde, c'est-à-dire un livre qui soit extrêmement accessible et qui puisse présenter le phénomène de façon un peu exhaustive, et que chacun aller se promener en pays OVNI, c'est-à-dire qu'en fait, Yves et moi, notre désir était un petit peu de tracer une route, de montrer un chemin, et au lecteur, maintenant, de continuer l'enquête et de pousser d'autres portes. Sinon, une autre question par rapport, vu que vous avez donc travaillé pour Europe 1 et donc des radios et des magazines. Comment est perçu le phénomène OVNI dans les magazines? Est-ce que c'est comme à la télé, c'est-à-dire on en rigole? Comment est reçu le livre, c'est ça? Non, comment est perçu le phénomène OVNI dans la presse? Oh, il est très très mal perçu, il est extrêmement mal perçu. En général, les médias ne sont pas du tout... à discuter du phénomène. Enfin bon, mais je crois qu'une grande partie des journalistes sont très frileux ou peu intéressés. Ce qui est très étonnant, c'est que quand on a mené cette enquête avec Yves, plus on montait dans des échelons, on va dire, importants, que ce soit à l'armée, que ce soit chez des scientifiques, les gens vous parlent extrêmement sérieusement. Les seuls qui ne parlaient pas sérieusement étaient des journalistes qui traitent le sujet par-dessus la jambe et pensent que ce sont des calembres d'aine, ce qui est un peu triste de la part du journaliste, parce que, à mon avis, le vrai travail d'un journaliste, c'est d'abord de mettre son nez dans des dossiers et de voir ce qu'il en est. Mais je pense qu'on a aussi un passif, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fausse autopsie d'un alien de Roswell qui avait été diffusé dans 27 pays, y compris chez nous, et qui a été ensuite mis à mal par la presse. Je crois qu'elle a fait beaucoup de mal à l'ufologie. Depuis cette fausse autopsie de Roswell, la presse, en tout cas française, hein, je parle vraiment de la presse nationale, ne veut plus du tout se pencher sur le phénomène. Il y a une espèce de rire gêné, quand il n'est pas gras d'ailleurs. Et c'est assez incompréhensible, mais c'est comme ça, c'est un état de fait, hélas. D'accord. Est-ce que vous allez participer à l'opération sur ICAT du 25 juin? Non, hélas. Je connais là, les opérations sur ICAT et je trouve que c'est une idée absolument brillante et géniale. Mais personnellement, j'ai pas pu participer encore. J'ai très envie, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Je demandais donc, avez-vous rencontré des personnes qui vous ont déconseillé de faire vos recherches et d'écrire votre ouvrage? Non, pas vraiment. Déconseillé, oui, excusez-moi, parce que je comprends, comme ça coupé, je comprends déconseillé. Non, déconseillé, non, pas vraiment. Ou disons de façon, on va dire, de façon un peu inoffensive, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai deux, trois connaissances, quelques journalistes, quelques collègues journalistes qui m'ont dit « Oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu te rends compte? Tu vas aborder un sujet qui peut jeter du ridicule sur plein de choses. » Mais non, non. Et puis vous savez, je suis ascendant pitbull, donc une fois que j'ai mordu, je ne lâche pas. Ce qui fait que rien n'aurait pu me démotiver. Et Yves est comme moi, nous sommes tous les deux... assez passionné, et lorsqu'on a décidé de mener une entreprise, on l'amène jusqu'au bout. Et avez-vous eu des pressions pour ne pas faire éditer votre livre? Non, aucune pression, vraiment absolument aucune pression. Non, du tout. Vous savez, je crois que le sujet est quand même si il n'est pas bien vu au niveau de la presse et des médias, le sujet a perdu un petit peu sa dangerosité, si vous voulez. C'est-à-dire que je sais réellement qu'à une certaine époque, des personnes ont subi des pressions, des personnes ont reçu des menaces. Je sais que des pilotes dans l'armée, certains pilotes se sont confiés à nous, avaient aperçu quelque chose d'incroyable et ne pouvaient pas en parler parce qu'en fait, ils
pouvaient perdre leur licence de pilote. Je crois qu'aujourd'hui, c'est fini, on peut en parler. Il y aura toujours un ricanement, il peut y avoir toujours des personnes qui n'y croient pas, mais je crois que par rapport à ça, on est beaucoup plus détendu, on peut en parler beaucoup plus ouvertement et beaucoup plus librement. D'ailleurs, vous m'entendez bien, là? Là, je vous entends mieux, oui. Ok. Est-ce que vous avez eu vent de menaces qui auraient été faites sur des témoins? Alors, écoutez, j'ai lu des témoignages dans certains livres. Je n'ai personnellement jamais rencontré une personne qui a été témoin et qui m'a dit qu'elle avait subi des menaces. J'ai lu des témoignages, donc, et certains témoignages m'ont l'air sérieux, donc je n'ai pas très envie de douter de ça, mais moi personnellement, et avec Yves, nous n'avons jamais, Yves et moi, rencontré au cours de notre enquête, et on a rencontré pas mal de monde, ayant vécu ce genre de situation assez désagréable et assez inquiétante, mais je sais qu'il y a des témoignages de gens qui ont été menacés, absolument, de témoins qui ont été menacés. Sinon, j'attends qu'il y ait d'autres questions. Oui, sinon, est-ce que vous avez, parce que vous avez donc écrit des articles sur les ovnis dans des magazines, est-ce que vous avez déjà mené des enquêtes précises par rapport à, je ne sais pas, une observation particulière, une vague d'ovnis qu'il y aurait pu avoir en France ? Une vague d'ovnis en France ? Une vague. Une vague d'ovnis en France ? Oui, c'était 1954, 74 ou 90. Il y a eu de grandes vagues d'OVNI en France, enfin, les plus célèbres étant celle de 54, hein, et puis celle de 70. Celle de 70 qui a commencé, en fait, on a commencé à parler d'une vague d'OVNI en France, qui a commencé à Turin en Italie, mais qui après, la France a été massivement survolée par des objets volants non identifiés. Oui, dans notre pays a connu des vagues d'OVNI, absolument, mais je crois que tous les pays, la Belgique a connu une vague absolument incroyable entre 89 et 91. La vallée de l'Hudson a connu des survols d'objets triangulaires absolument impressionnants. Enfin, je crois que chaque pays, aucun pays n'a été épargné, mais ce qu'on peut dire de toute façon, de façon certaine, c'est que le phénomène est global. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça se manifeste par vagues. Par moments, vous avez un nombre très important d'observations, et puis parfois il y en a pas, ou peu. Mais personne ne sait pourquoi, et personne ne sait comment. On ne peut les subir. On ne peut que les subir et les constater. Peut-être qu'on aura prochainement une vague, en tout cas, voilà, espérons. Donc nous avons une question de Réco qui vous demande, est-ce que votre sentiment du phénomène a changé après avoir écrit votre livre ? Oui, absolument. Absolument. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres et beaucoup de témoignages. Et plus nous avancions et plus j'avançais, plus le phénomène me paraît appréhensible, me paraît complexe, me paraît parfois aberrant, jouant de sa propre stupidité ou de sa propre irrationalité, de sa propre... Enfin, je pense que c'est vraiment complexe. Si vous voulez, en fait, en un mot, plus j'avance dans mon enquête et sur mon chemin OVNI, et moi je comprends. Voilà, ça c'est une réalité. Moi je comprends. Je me sens dépassé par quelque chose dont je ne perçois qu'une infime apparence, et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus présent que je l'imaginais. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, beaucoup d'ufologues et d'enquêteurs de terrain viennent à cette conclusion, c'est que plus on en sait, plus on prend connaissance de témoignages et d'affaires, plus on se sent perdu. Absolument, tout
à fait, c'est très vrai, vous savez, c'est très vrai. Surtout avec les témoignages, plus vous rencontrez de gens qui témoignent, parce qu'au début, on peut se dire, je vais tenter comme ça de dresser un portrait robot, et plus vous rencontrez de gens, et moins ce portrait robot fonctionne. Ce phénomène a mille visages, mille facettes, mille lumières, c'est très difficile de savoir ce qui se cache derrière ça. Mais vous vous intéressez à un phénomène particulier en ufologie ou c'est l'ensemble du phénomène ? Moi, c'est l'ensemble du phénomène. À l'heure actuelle, de façon très personnelle, je m'intéresse beaucoup au phénomène de l'abduction, ce qu'on appelle les personnes enlevées. J'ai lu beaucoup d'ouvrages, j'ai fait des rencontres de personnes qui vivent ça, et on en parle. Donc, si vous voulez, de façon un peu personnelle à l'heure actuelle, je me penche assez sur le phénomène, enfin sur l'épiphénomène de l'abduction lié au phénomène OVNI. C'est à la fois terrifiant, dérangeant, fascinant, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup ces derniers temps. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce phénomène. Oui, tout à fait. Vous savez, c'est indissociable de ce phénomène OVNI. Alors, ça ne veut pas dire que tous les gens qui voient quelque chose dans le ciel ou posé dans un champ sont enlevés, mais... Ces épisodes terribles d'enlèvement sont liés souvent à une manifestation d'OVNI ou à une apparition d'OVNI. D'ailleurs, que pensez-vous donc par rapport... Ce phénomène des abductions n'est pas assez recensé en France. Pourquoi ? Ouais, vous savez, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que le phénomène OVNI, en même temps, je pense qu'on est un des pays d'Europe dont les médias, j'entends, hein, dont les médias se moquent un peu plus du phénomène. Parce que j'ai vu que sur certains cas précis d'apparition, de vagues, de déclarations de personnages influents concernant le phénomène, les journaux le rapportaient ça en première page rapidement, que ce soit en Angleterre, en Italie, en Espagne, dans les pays du Nord. La France reste extrêmement, extrêmement pudique, pour ne pas dire silencieuse et réfractaire, en fait. Nous avons une question d'ailleurs pour rester toujours dans ce sujet des abductions, une question de Chasseur Céleste qui vous demande, avez-vous rencontré des abductés d'ailleurs et quand retenez-vous ? Moi j'ai rencontré des personnes qui se disent abductées, oui, qui ont vécu des événements comme ça, enfin des événements traumatisants, hein, qui sont des enlèvements. Très remuant de rencontrer des gens comme ça. On n'est pas indifférent. Hein. Les gens sont réellement traumatisés. C'est un peu comme pour le phénomène, c'est-à-dire que je m'y intéresse beaucoup. Là, je creuse le sujet, mais vous dire ce que c'est, je ne sais pas. J'ai encore à apprendre, j'ai encore à me documenter. Il faut que je lise encore, il faut que je rencontre encore beaucoup de gens. Et puis peut-être que j'espère que au bout de ce chemin quelque chose peut-être voilà. Donc nous avons une question de Archangel qui vous demande. Une question peut-être se dessinera, mais je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc nous avons une question de. J'ai la sensation en tout cas que ces personnes ne mentent pas, voilà. Et avez-vous déjà participé à des régressions sous hypnose ? À des régressions ? Sous hypnose. Personnellement, non. Je n'ai pas eu l'occasion. C'est-à-dire que personne ne m'a, enfin, aucune personne abductée ne m'a dit je vais participer à une séance d'hypnose régressive
et venez y participer. Enfin, venez y assister. Personne ne m'a proposé, donc non. Mais j'ai bon espoir. Je me dis que comme j'en ai envie, ça m'arrivera. Voilà. Ok, donc là, nous avons eu, on peut dire, une avalanche de questions. Oui. Donc, on va rester encore sur le phénomène des abductions. Y a-t-il des points communs entre les différentes personnes abductées que vous avez rencontrées ? Aucun point commun. Absolument aucun point commun. Ce sont des gens du quotidien, ce sont des gens de la rue, donc extrêmement dissemblables, extrêmement différents. Des hommes, des femmes, des enfants. J'ai même rencontré un enfant de 12 ans, incroyablement mature, qui m'a raconté des choses absolument incroyables. Non, j'ai aucun point commun. Sinon, le désir de comprendre, et sinon une grande inquiétude en eux. Mais non, je n'ai pas repéré quelque chose qui me paraissait commun. Chez ces gens-là, je crois que ça peut toucher absolument n'importe quelle personne, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle ville du monde, et des gens appartenant à n'importe quelle classe sociale. D'accord. Donc là, nous avons d'autres questions, donc on va quitter le phénomène des abductions. Pensez-vous écrire un autre livre sur le sujet ? Je suis en train de le mûrir à l'heure actuelle, mais je n'ai pas encore un sujet défini. Je suis en train de le mûrir, donc je vous tiendrai au courant quand j'aurai avancé dans cette quête. Mais pour l'instant, c'est en train de prendre petit à petit sa place dans ma tête, en tout cas. Une autre question. Pensez-vous que la NASA truque-t-elle les images gênantes ? J'en ai entendu parler, oui, par plusieurs personnes. Je n'ai personnellement pas eu de preuves entre les mains, c'est-à-dire j'aurais bien aimé avoir récupéré une photo truquée, un avant, un après, et pouvoir vous le montrer, mais je n'ai jamais eu ces preuves entre les mains. Mais on m'a raconté beaucoup d'histoires. Me disant cela. En tout cas, moi j'ai été étonné d'une chose, c'est-à-dire que j'ai contacté la NASA et pour leur parler du phénomène, et ils m'ont répondu de façon extrêmement courtoise, une lettre qui en disait long, à mon avis, qui disait en substance ah, mais vous savez, nous ne nous occupons pas du phénomène OVNI, il faut que vous contactiez tel groupe de recherche. La NASA ne s'occupe pas de ce phénomène. Et ça, c'était assez étonnant dans le sens où je m'attendais à recevoir une lettre, si vous voulez, de la NASA me disant non, c'est un ramassis d'idiotie ou de méprise, on n'a pas envie. Mais là, c'était assez sérieux, du genre non, mais vous savez, en gros, ce phénomène semble exister, mais on s'en occupe pas, voilà. Ça, c'était assez étonnant. Mais je n'ai pas eu, pour revenir à votre question, moi, je n'ai pas eu en main de documents truqués de la NASA. Maintenant, je pense, vous savez, que tous les grands groupes arrondissent les angles parfois. Donc, que ce soit la NASA, que ce soit l'armée, que ce soit, si vous voulez... D'ailleurs, en parlant de l'armée... Inexplicable et dérangeante, on a rendu les angles. En parlant de l'armée, nous avons donc une question. Pensez-vous que les militaires possèdent des prototypes ? Ce sont des questions extrêmement intéressantes. Alors, c'est ce que beaucoup d'ufologues pensent. Notamment depuis 47, depuis le 8 juillet 47, où un engin se serait écrasé à Roswell, hein, dans la base atomique de Roswell. Ou peut-être d'autres, il y a eu d'autres histoires de crash, où on raconte que l'armée a ramassé des restes, des vaisseaux, et peut-être même des corps. Écoutez, ça c'est tout à fait possible, Je n'ai pas été mis dans le secret.
Je sais que certains leaders politiques du monde n'ont pas été mis dans le secret. Je pense à Clinton, par exemple, l'ex-président américain Clinton, qui avait déclaré dans un discours ouvertement en Irlande, vous savez, mais je n'ai pas été briefé, donc je ne peux pas vous répondre. Donc si l'armée a recueilli des vaisseaux, ben, j'aimerais bien savoir ce que disait Clinton officiellement. Ben, moi, c'est un peu pareil, je n'ai pas les privilèges de Clinton, donc vous pouvez imaginer que j'ai été encore moins invité dans des bases de l'armée secrète pour aller voir des vaisseaux s'ils en ont récupéré. Et c'est évidemment, ce sont des histoires qui circulent. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus. Et certains ufologues sont certains que des objets exotiques ont été récupérés et qu'ils ont servi et qu'ils servent au développement de prototypes, notamment des plaques programmes ou d'objets que l'armée met au point dans leur base souterraine et secrète. Mais sinon, par rapport à la France ? Par rapport à la France ? Y aurait-il des black programmes aussi ? Donc, vous savez, je pense qu'il y a toujours. Je pense qu'il y a toujours, quelles que soient les armées du monde, il y a toujours des recherches qui sont menées. C'est évident. Alors peut-être c'est à moins grand, à mon avis. De façon certaine, envergure qu'aux États-Unis, mais je pense que toutes les armées du monde, même les expériences, c'est des expériences qui restent évidemment secrètes. Une autre question. Êtes-vous au courant du projet de la militarisation de l'espace ? Oui, absolument, oui, tout à fait. Que dire de ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment une vague contre des ovnis? Je ne sais pas. En tout cas, pour revenir sur ce sujet, on pourrait dire une chose intéressante, c'est que en France, nous avons quand même un document assez exceptionnel, qui est le rapport Cometa. Et le rapport Cometa a été quand même rédigé par des personnages extrêmement sérieux, influent et brillant, et tout ça dirigé par Denis Letty, qui est un haut gradé de l'armée de l'air, ce qui fait que nous possédons à main le rapport Cometa, qui est un rapport qui demandait au gouvernement de l'époque, au gouvernement qui avait été remis au Premier ministre de l'époque, qui était Lionel Jospin, et qui posait une question, en fait, extrêmement importante, qui disait, voilà le siège aux ovnis, à quoi faut-il s'attendre demain ? Donc l'armée, ce qui prouve que l'armée se pose des questions, et des questions extrêmement importantes et sérieuses par rapport à ça. Il semblerait que la grande conclusion soit que le phénomène n'est pas offensif, donc on va dire que les armées se sont calmées, mais si on reprend l'histoire, vraiment l'histoire contemporaine des ovnis, parce que l'histoire des ovnis n'est pas que contemporaine, elle remonte à la nuit des temps, mais on va dire que l'histoire contemporaine, entre guillemets, des ovnis remonte à 47, hein, avec la création du terme soucoupe volante, etc. Je peux vous dire que vraiment l'armée en 47, l'armée américaine notamment, et ensuite les armées européennes, étaient dans un état proche de la panique, vraiment, parce que on observait des objets dont on ne savait rien, aussi des bases militaires, et aussi des bases militaires secrètes. Ces objets avaient suivi des avions militaires, etc. Et je peux vous dire que l'armée était vraiment dans un état de panique. Vous voyez le nombre d'enquêtes qui ont été commanditées par l'armée et qui coûtaient des fortunes. Ce sont des milliers d'enquêtes, vraiment. Donc, la dépassée, on a rendu public certains dossiers confidentiels de Churchill, et on voyait que Churchill, on a appris que Churchill était extrêmement préoccupé par le phénomène. Beaucoup de chefs d'État ont été préoccupés par ce phénomène, et beaucoup de gens, et beaucoup responsables de l'armée ont été préoccupés par ce phénomène. Alors aujourd'hui, il semblerait qu'on dise, voilà, c'est le phénomène n'est pas offensif. Alors,
on lève le pied d'accélérateur, mais est-ce que de quoi sera fait demain? Est-ce que demain il sera toujours aussi inoffensif? On n'en sait rien. Prédire l'avenir est impossible. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce document dont je vous parle a été quand même orchestré en partie par des gens de l'armée, réellement, qui l'ont fait à visage découvert. Donc ce qui prouve que l'armée suit l'histoire des ovnis depuis très longtemps et continue de suivre cette histoire de vous. Nous avons une question de Archangel qui vous demande, en rapport avec votre livre « Enquête sur un secret d'État », donc, avez-vous reçu des confidences de la part de personnes haut placées? Oui, j'ai reçu. On a reçu quelques confidences, mais ces confidences-là, ça a été. C'est des confidences, donc c'est glissé dans le creux de l'oreille et on a promis. C'est moral de ne pas raconter ce qu'on nous a raconté. je sais que c'est très frustrant, mais votre question amène une réponse frustrante, mais oui, on a eu évidemment, vous savez, quand vous travaillez sur un livre, quand vous travaillez sur une enquête, quelquefois il y a quelques personnes qui vous disent, qui vous racontent certaines choses. Oui, et généralement on peut pas trop divulguer aussi certaines choses, à moins qu'on nous ait donné l'autorisation de les dire, mais je connais. Donc une autre question, avez-vous eu l'occasion d'accéder, bon c'est à peu près la même question si on peut dire, à des documents secrets? Vous savez, il y a énormément de documents aujourd'hui qui étaient complètement secrets à l'époque, il y a très peu de temps, qui sont ce qu'on appelle déclassifiés, donc nous pouvons, vous, moi, tout le monde, nous pouvons tous avoir accès à des tas de documents déclassifiés qui étaient secrets et top secrets, vraiment. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Il faut savoir que la plupart des armées européennes, par exemple, et pas qu'européennes, parce que le Brésil, beaucoup l'Amérique du Sud, c'est beaucoup sensibilisé au problème, mais une grande partie des armées rendent publiques leurs archives aujourd'hui et leurs documents concernant les ovnis. Alors effectivement, on sait qu'il y aura toujours des documents qui resteront dans les tiroirs et qu'il y a des documents auxquels on n'aura jamais accès. On a essayé de savoir ce qui était de mettre notre nez dans les documents de Roswell. Pas que nous, même l'équivalent de la Cour des comptes américaine a essayé de savoir et l'armée a répondu que, étrangement, document 47 avait miraculeusement disparu, on ne sait pas ce que sont devenus ces documents. Donc nous savons qu'il y a encore des tas de documents qui sont maintenus secrets, mais il y a énormément de documents secrets auxquels moi, n'importe qui, pourront avoir accès. Et c'est incroyable. Vous savez, rien qu'aux États-Unis, entre le FBI, la CIA, vous pouvez les contacter et leur demander des documents, et ils vous les envoient. Je crois que ça coûte 10 cents la page. Il y avait un moyen mnémotechnique pour savoir le nombre de ces documents, c'est-à-dire en 89, il existait 89 000 documents concernant les ovnis, ce qui est énorme. Mais sachez que depuis 89, il y a des milliers de documents encore qui ont été déclassifiés, ce qui veut dire qu'il existe énormément de documents secrets auxquels tout le monde peut avoir accès. Incroyable. Aujourd'hui, si vous allez sur le site du ministère de la Défense anglaise, vous avez aujourd'hui les documents concernant Randlesham ou des tas de militaires, et notamment d'une base de l'OTAN, et notamment un personnage très haut gradé, ont assisté à l'atterrissage d'OVNI, quelques jours plus tard, a vu un ovni dans le ciel se partager en plein objet et partir dans toutes les directions. Ces documents sont aujourd'hui complètement accessibles. Vous pouvez les lire, et c'est absolument incroyable. Il y a beaucoup de documents secrets sont aujourd'hui accessibles. Alors, maintenant, effectivement, si, euh, si,
les armées ont récupéré des objets exotiques, des cadavres, ou même des aliens vivants. Hein. Je pense que s'il existe des documents comme ça, ces documents ne sont pas accessibles pour personne à l'heure actuelle, c'est évident. Je pense que, oui, c'est clair, l'armée y a pensé, l'armée y a songé, l'armée de l'air, en fait, qu'elle soit française ou internationale, y a songé, y songe, vraiment. Vous savez, il existe dans le manuel des pompiers américains, officiellement, un paragraphe concernant des observations d'OVNI. Si vous voyez un OVNI, faites attention, ne restez pas en dessous, etc. Bien sûr que tout le monde y a songé. Même ceux qui ricanent dans leur coin peuvent se dire, et si c'était vrai, et si demain ça arrivait. Je pense que le citoyen lambda y pense. Alors imaginez les gens qui sont responsables de la sécurité d'une nation. Évidemment qu'ils y pensent, ils y pensent beaucoup plus que vous imaginez, vraiment beaucoup plus que vous. Beaucoup plus qu'on peut le penser soi-même, vraiment. Donc une autre question... Pour en venir, c'était encore, on parlait du rapport Cometa, vous voyez, ce sont des personnes de l'armée qui sont à l'origine de ce rapport, et leur grande question, c'est, OVNI, à quoi doit-on s'attendre? Donc c'est une question extrêmement brûlante, extrêmement importante. Que pensez-vous du Volt du FBI qui a eu récemment? Le Volt de... Du FBI. Le Volt du FBI, c'est ça? Non, le Volt, c'est une sorte de déclassification, une déclassification de rapports d'OVNI du FBI qui a eu récemment et qui ont été publiés sur Internet. Qu'en pensez-vous? Écoutez, pour l'instant, je pourrais pas trop vous répondre en détail parce que j'ai pas vraiment mis mon nez de façon exhaustive là-dedans. Donc il faudrait que je le fasse. Je pense m'y mettre vraiment. Mais bon, j'étais sur d'autres pôles d'intérêt concernant les OVNI ces derniers temps, donc vous savez, le sujet est tellement vaste, il se passe beaucoup de choses partout. Ça demanderait des nuits d'insomnie. D'ailleurs, ça demande des nuits d'insomnie hein, pour écrire le livre. Et moi, je peux vous dire qu'on a passé des nuits, beaucoup de nuits blanches. Et il est très difficile de couvrir tous les fronts en même temps. Quoi. Je ne maîtrise pas vraiment encore le sujet. Je préfère le creuser plus tard. Et je veux bien parler avec vous quand vous voulez. D'accord. Une autre question. Avez-vous été informé de ce qui s'est passé la journée du 15 août 1990 entre Ghana et Montluçon et la nuit entre Ghana et Vichy? Le 15 août hein. 90. Le 15-90. Bon, je dois avoir des quelques rapports là-dessus. Mais je pourrais pas. On a tellement Yves et moi brassé de documents, donc je ne pourrais pas vous reconstituer de façon précise vraiment ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé exactement? Ah non du tout, c'est une question qu'on m'a posée à ce moment-là par rapport à une observation qui aurait eu donc entre Ghana et Montluçon en Auvergne. En tout cas, je ne le sais pas de façon très précise, mais ça m'intéresse. Donc la personne qui pose cette question. Si elle peut me joindre, ça me ferait vraiment plaisir, parce que j'aimerais bien discuter avec elle. D'accord, je transmettrai vos coordonnées. Tout à fait, avec plaisir, vraiment avec plaisir. Donc, une autre question. D'accord. Y a-t-il un rapport OVNI, y a-t-il un rapport entre les OVNI et les phénomènes paranormaux terrestres? Dans le sens je pense que des phénomènes paranormaux terrestres, il y en a beaucoup, énormément, il faudrait définir lesquels. On associe les OVNI à certains phénomènes qui semblent paranormaux. Vous savez, là on est dans un domaine de, à la fois d'enquête et de constatation de choses extrêmement appréhensibles, difficiles, on est dans une frange dangereuse pour l'explication.
complication parce qu'il faut, toujours rester très vigilant. Il semblerait que dans l'esprit de beaucoup de gens, de beaucoup d'enquêteurs, de beaucoup d'ufologues et de beaucoup de passionnés, le phénomène OVNI de toute façon soit lié au paranormal. On le voit puisque de toute façon, si vous voulez acheter un livre sur les OVNI, si vous voulez acheter notre livre par exemple, la plupart du temps il est rangé aux régions paranormales. C'est soit ésotérique, soit paranormal. Donc le phénomène lui-même est lié dans l'imaginaire. Et culturellement, à tout ce qui est paranormal. Je me pose des questions parce que je j'ouvre le débat, si vous voulez, je pousse la question encore plus loin, c'est qu'est-ce qui est paranormal ? Moi, j'aurais tendance à dire que tout ce qui nous entoure et tout ce qui se manifeste est normal. C'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose, c'est pas parce qu'une chose est imprédictible, qu'on ne peut pas la reproduire, ou qu'elle dépasse notre entendement, ou notre grille de lecture, ou notre compréhension, qu'elle est anormale. Je pense que tout est normal. Bah, d'ailleurs, pour confidence, vous avez dit que souvent, c'est vrai que il n'y a pas vraiment de rayon OVNI dans les FNAC ou dans les bibliothèques. Bon, des fois, si, c'est rare, mais bon, c'est vraiment c'est une exception. Sur un libraire ou un vendeur passionné par le sujet qui fait des efforts et c'est génial, mais très souvent, je peux vous dire que ces dernières années où je me suis pas mal promené, où j'ai acheté beaucoup d'ouvrages, je commence à avoir une collection de livres sur les ovnis assez impressionnante, la plupart du temps c'est toujours en ésotérique ou en paranormal, c'est entre Nostradamus et le voyage astral, entre vous voyez, le calendrier maya et le spiritisme. Alors est-ce que tout ça est lié? Je ne sais pas. Peut-être que tout ça est lié, allez savoir, mais je ne suis qu'un être humain, donc pour l'instant j'ai pas une réponse précise à donner. Je fous tant que je peux. Et ma quête est loin d'être terminée, si vous voulez. Ouais, c'est vrai que j'avais même vu une fois le rayon, enfin, il y avait des ouvrages d'OVNI, c'était dans une bibliothèque en Bretagne, dans le Nord Finistère, où les OVNI, enfin les livres d'OVNI, étaient rangés dans le rayon satanisme. Oui, tout à fait. Il y a un courant américain d'ailleurs aussi qui commence à se dessiner, comme quoi aussi les OVNI sont diaboliques, une manifestation satanique. Bon, il y a eu aussi des soubresauts du genre. Jean Sidère a écrit un livre admirable là-dessus, d'ailleurs. Oui, pourquoi pas, vous savez, tout ce qui est inexplicable, si vous voulez, on est aussi une nation judéo-chrétienne, donc qui a vécu depuis 2000 ans sur des explications extrêmement religieuse, donc pourquoi pas dire après tout que tout ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est le diable, le bon Dieu, les anges, voilà, et à partir de là, c'est une grille de lecture humaine, très très humaine. Moi, elle ne me satisfait pas, mais elle est très humaine. Nous avons une question d'un cas de crash qui se serait déroulé dernièrement, cette année. Alors, connaissez-vous le cas du Mirage qui se serait écrasé le 1er mars 2011 dans le triangle de la Burle ? Pas du tout. Je ne suis pas au courant de ça. D'ailleurs, que pensez-vous de ce fameux triangle de la Burle ? Oui. Il y aurait un Mirage qui s'est écrasé, c'est ça, en 2011 ? Oui, il y a eu plusieurs crashs dans le triangle. Alors, parce qu'il y aurait, d'après votre question, je suppose qu'il y aurait un crash qui se serait... Non, c'était une question, connaissez-vous... En rapport avec un phénomène OVNI, c'est ça ? Pourquoi pas ? Écoutez, j'aimerais bien savoir plus, ça m'intéresse, c'est pareil, ça m'intéresse. Si quelqu'un sait quelque chose là-dessus, ou veut en discuter, je suis prêt à en discuter avec un... Je suis très gourmand de ça, vraiment. Apparemment, ce serait dans le dernier top secret. Ce serait dans le dernier top
acheter, donc je vais aller l'acheter et je vais regarder ça avec intérêt. Donc une autre question, alors là c'est, on pourrait dire, un peu comme celle où vous avez eu du mal à répondre, quoi que je comprends. Donc une question de Archangel, sans trop en dire, que pensez-vous de notre avenir suite aux confidences que vous aurez pu avoir par rapport au phénomène OVNI? Je ne suis hélas pas voyant. Sans trop en dire, hein, on dit. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, ni pour moi, ni pour personne. Je vis dans l'instant, c'est déjà bien assez fatigant. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Pas du tout. Et puis vous savez, je pense que tout peut changer extrêmement vite. On m'a fait quelques confidences il y a des années qui ne se sont pas réalisées, par exemple. Donc je reste aussi quelqu'un d'extrêmement prudent. Où certaines personnes m'avaient dit qu'elles savaient qu'il allait se passer des choses. En fait, il ne s'est rien passé du tout. Donc je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que on ne peut pas prédire le lendemain. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse prédire ce qui peut se passer demain. Vraiment pas. Puis, de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, personnellement, ça n'a pas d'intérêt. Je vous disais, je vis dans l'instant. Je pense que tout est ici et maintenant. Et demain n'a pas vraiment d'intérêt puisqu'on n'est pas dans la dynamique de quelque chose. On ne peut que le rêver, le supputer, mais on ne peut pas le vivre. Il faudra le vivre demain. Demain on aura tout le temps et toute l'énergie possible pour le vivre. Et par rapport à votre déclaration, pensez-vous que nous autres, vous, moi, ceux qui sont sur le chat, dans la vie qu'on a actuellement, on va voir une divulgation officielle, un de ces quatre? Oui, je sais pas, par exemple, notre président de la République qui dirait... La divulgation, c'est aussi un peu comme l'Arlésienne, c'est-à-dire qu'on nous l'annonce depuis des années. C'est clair. Et c'est certain que, on va avoir une divulgation dans quelques mois. Je l'ai entendu, on me l'a dit, mais si vous saviez le nombre de fois qu'on m'a dit ça, c'est absolument incroyable. On a cité des dates, on a cité plusieurs fois des dates, absolument... Là, il y a quelque chose de prophétiste qui m'énerve un peu. Il se fait très bien qu'il y ait une divulgation, et pourquoi pas, mais je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pareil, je ne sais pas. Je me méfie beaucoup des gens qui parlent, je suis doutant. Je ne doute absolument pas du phénomène OVNI, mais je doute de beaucoup de choses. Donc j'ai besoin de poser ma main sur les choses un peu pour savoir si elles sont réelles ou pas. D'accord, donc nous... On m'a dit beaucoup de choses, on m'a raconté beaucoup, beaucoup de choses, et la plupart du temps, les divulgations ne sont jamais arrivées au moment où elles devaient arriver, donc j'ai pas envie de reproduire ce genre de choses et dire aux gens, ah oui, vous savez, c'est sûr qu'en 2012, on va avoir une divulgation. Donc, j'en sais rien, parce qu'on nous avait promis une divulgation en 2011, on nous avait promis une divulgation en 2010, on nous avait promis une divulgation en 2009, et aucune de ces divulgations ne sont arrivées. Oui, à chaque fois, il y a une date. Il y a une date qui est prévue, mais il ne se passe jamais rien. Je me rappelle l'année dernière, en 2010, c'était pas Obama qui devait dire la vérité, un truc comme ça. Oui, tout à fait. C'est pour ça que restons prudents. Donc, le phénomène est très intéressant, est extrêmement intéressant, mais ne le folklorisons pas avec certains trucs prophétiques. En tout cas, c'est mon avis, quoi. C'est mon désir. Je cherche à savoir, je ne cherche pas à prédire, vous savez. Je cherche à comprendre. Donc nous avons quelques dernières questions. Déjà, première question, pensez-vous qu'il y a eu une accélération du phénomène ou qu'il y a eu une régression? Pensez-vous qu'il y a plus d'observations actuellement ou il y en a moins, ça? Je pense qu'il y en a toujours autant. Il y en a beaucoup. Vraiment. Ça, c'est très troublant, par contre. Il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a beaucoup de manifestations. Ça ne s'est jamais arrêté, en fait. Ça ne s'est jamais ralenti. Alors, comme on disait tout à l'heure, il existe des vagues. C'est vrai qu'on n'a pas... Par exemple, en France, on n'a pas vécu une vague depuis un moment. Mais il y a toujours des observations, il y en a toujours,
et puis ça bouge sur la planète. La Chine, par exemple, aujourd'hui, semble énormément survolée par des phénomènes ovnis. L'Amérique du Sud a toujours été survolée, le Chili, l'Argentine sont énormément survolés, le Mexique, le Brésil. Mais partout, le phénomène est global et je pense que je ne vois pas de raison pour laquelle ça s'arrête, puisque il y a un nombre constant, de manifestations. Sinon, une autre question, que pensez-vous des objets aquatiques non identifiés ? C'est très très intéressant, c'est une chose extrêmement intéressante. Parce qu'on s'est rendu compte en fait que, que certains objets qu'on voyait se déplacer dans le ciel, voler dans le ciel, on les a vus rentrer dans la mer par exemple, on les a vus surgir de la mer. Alors est-ce que, la question que je me pose c'est est-ce que ce sont des objets différents ou est-ce que ce sont les mêmes ? Selon certains témoignages de la Navy, hein, de l'armée de mer, pas de l'armée de l'air, il semblerait que ces objets soient les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui auraient la possibilité de se déplacer dans l'air, dans l'atmosphère, et de plonger dans la mer et de continuer leur voyage sous la mer. Ou de surgir de l'eau pour voyager dans l'atmosphère. C'est extrêmement intriguant et c'est complètement fascinant. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, souvent, des personnes se demandent pourquoi il y a peut-être... Là, vous avez parlé de la Chine tout à l'heure. C'est vrai que les États-Unis, en ce moment, il y a une sorte d'équilibre. Il y a beaucoup d'observations en Chine et également aux États-Unis. Alors qu'avant, c'était plus les États-Unis qui étaient survolés. Beaucoup plus. Tout à fait. Peut-être que c'est par rapport à ce qui se passe aussi dans le monde, vu que la Chine est une puissance économique et militaire. C'est peut-être en rapport avec ceci. Qu'en pensez-vous ? Oui, on pourrait supputer d'une chose, c'est-à-dire que il semblerait aussi que le phénomène OVNI ait été lié depuis les survols massifs aux États-Unis, c'est-à-dire en 1947. Au nucléaire. En tout cas, on a observé énormément d'objets volants non identifiés au-dessus des bases militaires qui étaient liés au nucléaire. Peut-être que c'est lié au développement à la fois économique et militaire, hein, offensif d'une nation. Mais pourquoi pas, moi j'aurais tendance à le penser humblement, c'est mon avis. J'ai tendance à penser qu'effectivement, quand une nation gagne en force, pas en sagesse, mais en force, et qu'elle devient très offensive, et qu'elle se penche par exemple sur cette chose terrible qu'est le nucléaire, à ce moment-là, il semblerait que cela déclenche des apparitions d'OVNI en série. Donc, ça semble lié. D'ailleurs, comme on en parle du nucléaire, avez-vous déjà eu des témoins en France qui auraient observé des engins au-dessus de centrales nucléaires ? Oui, j'ai un témoin qui m'a raconté l'observation. Peut-on en savoir un peu plus ? Maintenant, en tout cas, vous savez, ça c'est quelque chose d'extrêmement... C'est pas fantaisiste, hein, c'est pas une chose... Dès le début de l'apparition des ovnis aux États-Unis, de façon massive comme ça, l'armée a demandé, une étude extrêmement précise et a été remis à l'armée. Un rapport qui s'appelait le rapport La Paz, qui a été rédigé par un professionnel des météorites qui s'appelait Lincoln La Paz, qui était un savant. Et ce qui est fou, c'est que dans ce rapport, la plupart des observations sur lesquelles s'était penché Lincoln La Paz étaient liées à des sites stratégiques militaires américains. Mais ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que ces sites stratégiques militaires étaient liés au nucléaire. C'est-à-dire que En 49 ou en 50, un citoyen russe
un militaire russe avait pris une carte des États-Unis et avait pris le rapport La Paz, il savait absolument où se situaient toutes les bases nucléaires américaines secrètes de l'époque. Et ça, c'est pas du tout fantaisiste, ça c'est réel. C'est-à-dire qu'on a parlé de Roswell, à Roswell était stocké les têtes nucléaires américaines, on l'a su beaucoup plus tard. À Roswell, il y avait les bombardiers nucléaires, ces bombardiers qui sont allés plus tard sur Hiroshima et Nagasaki. Les observations de l'époque sont à Los Alamos, partout encore, tous les endroits qui sont vraiment liés au nucléaire, où siégeait le projet Manhattan, qui développait la bombe atomique à l'époque. Et ça, c'est très très troublant, c'est pas du tout, c'est pas une chose fantaisiste, n'importe qui, vous pouvez le faire vous-même. On trouve le rapport La Paz, on le trouve très facilement, vous pouvez le télécharger sur Internet aujourd'hui. Prenez une carte de l'époque des États-Unis et partout vous poserez une punaise rouge, ce sont toutes les bases nucléaires. Donc effectivement, de façon irréfutable, ce phénomène était lié en tout cas à l'époque aux États-Unis, dans les années 40 et 50, au nucléaire. Ok. Que pensez-vous de l'affaire Humo ? Pas grand chose, parce que je ne me suis pas spécialement penché sur l'affaire Humo. Je sais très bien ce que c'est, hein, mais je ne me suis pas personnellement penché. Ça demande des rencontres, ça demande beaucoup de lecture, ça demande. Et moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a interpellé pour l'instant, ça viendra, mais voilà, il y a tellement d'épiphénomènes reliés au phénomène OVNI qu'on ne peut pas, on peut pas absolument tout mener de front, ce que je disais tout à l'heure. Sinon, nous avons deux dernières questions, si vous voulez bien. Parce que ça fait déjà presque une heure que vous êtes au téléphone. Enfin, ça vous dérange pas, hein, on peut continuer jusqu'à point d'heure. J'ai juste peur que, parce que je suis sur mon portable, je ne suis pas chez moi, j'ai juste peur que ma batterie ne tienne pas le choc. Donc nous avons donc... J'ai une batterie qui est... qui a fait l'unique, donc j'ai peur que ça coupe. Donc nous avons deux dernières questions. Pourquoi certaines régions sont plus survolées que d'autres? Y a-t-il une raison? Est-ce que c'est par rapport au nucléaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure? On peut rebondir sur ce qu'on disait dernièrement, c'est-à-dire que est-ce que c'est le nucléaire? Il semblerait qu'il y ait des choses telluriques, c'est-à-dire que je parlais de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud est énormément survolée, notamment le Chili. L'Argentine, est-ce que par exemple la cordillère, les montagnes induisent ce phénomène? C'est fort possible. Moi, je me suis peut-être un peu l'impression de ça, c'est-à-dire que il y a des axes qui semblent propices au phénomène. Ces objets volants non identifiés empruntent des routes un petit peu comme ça, et qui ont l'air parfois d'être des routes un peu régulières. Et il y a souvent des failles géologiques ou des cordillères ou montagnes. Regardez, à l'île d'Allen, il se passe aussi, on a fait beaucoup d'observations à l'île d'Allen. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit-là? Je ne sais pas, mais c'est peut-être aussi qu'il y a peut-être quelque chose de tellurique, il y a quelque chose lié à la Terre qui est lié peut-être à ce qu'on ne voit pas. Voilà, j'essaie de répondre à cette question pour moi aussi. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que là, nous traitons, bien sûr, de l'ufologie contemporaine, car l'ufologie, comme vous l'avez dit, date de la nuit des temps, donc avant, il n'y avait pas le nucléaire. Donc pourquoi des zones étaient beaucoup plus survolées que d'autres? Pourquoi des comment? Avant 1945, avant l'ufologie contemporaine, comme vous avez dit, les ovnis survolent la Terre depuis longtemps. Avant, il n'y avait pas de nucléaire. Donc, il y avait des régions qui étaient beaucoup plus survolées que d'autres pour d'autres raisons. Oui, tout à fait. Mais les
énormément survolé, parce que si vous prenez la vague, il y a eu une vague en 1896 et 1897, de ce qu'on appelle des air shipments, des vaisseaux de l'espace, ils ont été massivement survolés. C'est très très difficile de savoir pourquoi. On ne peut constater ça qu'après. On se dit, voilà, assez incroyable. Cette année-là, il y a eu beaucoup d'observations. Mais il y a eu, il y a eu 100, non, il y a eu 1000, il y a eu 5000 observations. Donc on se rend compte qu'il y a une vague. Maintenant, pourquoi ces airships ont survolé les États-Unis à l'époque? Allez savoir. C'est très difficile de savoir. Et nous allons finir par une dernière question sur la France. Que pensez-vous du col de Vence? Vraiment, je pense qu'il s'y passe des choses vraiment incroyables. Et je pourrais vous en dire plus parce que je vais m'y rendre bientôt. Voilà, je vais aller faire un tour là-bas. Donc je pourrais vous raconter, si vous voulez, je pourrais vous raconter en direct des mots autour de ce qui se passe. Je pense qu'il se passe des choses absolument insensées. Là, c'est pareil. Ça m'intrigue beaucoup, le code de Vence. Voilà, je compte m'y rendre rapidement. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Oui, effectivement, il y a des choses bizarres et oppressantes au col de Vence. Pour m'y être rendu plusieurs fois, oui. Vous êtes allé, vous, au col de Vence? Oui, plusieurs fois, ouais. Génial. J'ai fait plusieurs veillées. Allez, ça, vous m'racontez ça. Il y a des choses curieuses et enregistrées aussi en vidéo, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Oui, d'ailleurs, connaissez-vous le CRUN qu'il y a sur Nice? Le Centre de Recherche Ufologique niçois? Oui, tout à fait. Oui. Donc, vous connaissez Philippe? Je vous entends mal, je vais couper un petit peu, là. Donc, vous connaissez Philippe? Oui. Philippe Mazot? Allô? Bah, quand vous le verrez, vous lui passerez le bonjour de ma part. Vous connaissez bien. Bah, je n'y manquerai pas. Je suis en contact avec lui. Là, on s'est parlé plusieurs fois parce que il me propose d'aller présenter mon livre à un repas écologique là-bas. D'accord. Bon, je vous remercie d'avoir pris de votre temps libre pour répondre à toutes ces questions et d'être passé donc sur le direct. Merci à vous. Et n'hésitez pas à me recontacter, et on peut en discuter. Là, j'ai juste peur que ma batterie coupe. Ça, je ne voudrais pas. Elle a pas, hélas, une grande autonomie, donc ça fait un petit moment qu'on parle. Mais reparlons-nous rapidement quand vous voulez, avec grand plaisir. D'accord, il n'y a pas de souci, ou pourquoi pas à votre la sortie de votre prochain ouvrage. Avec plaisir. Thank you.